Les amis, bonjour, bonsoir. Vous savez, moi, je n'ai jamais su que le blanc pouvait avoir peur des noirs. Hein. Bon, particulièrement des Camerounais. Hein. Oui, sérieux. C'est-à-dire le combat qui oppose Francis Ngannou et Fury le 28, dans 4 jours. Vous n'avez pas constaté que Fury doute beaucoup, que l'équipe même de Fury a peur de Ngannou. Il va vous démontrer. Quand j'avais fait ma première vidéo parlant de cette histoire où je disais que Ngannou ne peut pas perdre ce combat, certains sont venus dire, tu ne connais rien de ce sport-là, contente-toi de tes collages et tout. Tu n'as jamais regardé les combats de Fury. C'est un monstre. Il a fait ou ses 35 combats ou c'est combien 35 combats sans défaite. J'ai pour le temps de regarder et re-regarder au moins ces 30 combats de Fury. J'ai dit, Tyson Fury n'a jamais eu un adversaire comme Francis Ngannou. Francis Ngannou, que vous voyez, c'est un monument. Quelqu'un qui a le coup de poing le plus lourd au monde, vous doutez. J'ai vu un noir là menacer Fury. Je dois reconnaître que Fury est résistant pour ça. C'est pour cette raison que Cyril Doumbé disait à Ngannou qu'il faut tout faire pour ne pas traverser 3 rounds. Donc il faut tout faire pour donner le KO, soit au premier, au deuxième ou au troisième round. Tu le mets au sol. Sinon, si ça dépasse déjà, parce que Fury est résistant. Mais si c'est que le coup de poing, j'ai vu un noir là traumatisé, mais il ne retient pas trop leur nom. Traumatisé Fury. Mais sauf que le gars a manqué un peu de technique seulement pour finir avec lui. Et comme le Fury est résistant, c'est pour cette raison qu'il a gagné le combat. Vous allez voir ce qui va se passer le 28. Voici une preuve que le blanc a peur, que l'équipe de Fury a peur. Vous avez vu cette image, si certainement, qui est passée là, où Ngannou voulait ouvrir une porte, la porte d'une boutique, c'était un magasin. C'était un peu dur. Il voulait forcer. Toutes les vitres sont cassées. Je crois que tout le monde a vu cette image. Ce qui m'a surpris, c'est que quelques jours après, puisque l'image a fait le tour des réseaux sociaux, les gens ont parlé que, mec, c'est encore quelle puissance ça, Ngannou, c'est encore quelle force. Et comme les deux sont en duel, l'équipe de Fury a aussi réfléchi. L'équipe de Fury a réfléchi aussi à son tour en disant que créons aussi un buzz autour de notre acteur. C'est pour cette raison que vous avez vu aussi cette image que les gars ont créée. Vous voyez même les coups de poing que Fury donne là. Il peut donner quel genre de coup de poing, ça décroche tout ce que vous faites. Quand j'ai tombé sur cette image, si j'ai dit, ça c'est ce qu'on appelle la frustration. La peur. Et quand on part déjà dans un combat avec la peur, avec les doutes, les gars, vous pensez que le vainqueur c'est qui? Donc voilà, vous pensez que notre champion Ganou peut perdre ce combat? Non. Non. Ganou déjà en avance. Donc avant le combat, a déjà gagné, même spirituellement. Ngannou a déjà gagné le combat. Vous n'avez pas vu même le don que Cristiano Ronaldo a offert à Ngannou. C'est les bénédictions que, mon frère, je sais de quoi tu es capable. Prends d'abord ça. À la veille, ça ne vous dit rien. Mais le gars sait déjà que non. Ça, c'est celui qui va bouger la toile d'un moment à l'autre. Vous doutez? Vous doutez? Le 28 là, c'est dans 4 jours. Et on va voir qui est le vainqueur. Vous voyez comment l'équipe de Fury a tremblé. Ils ont créé leur propre buzz qui cognait avec pic, 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 pic. Pour montrer aussi qu'il est aussi puissant. Pourquoi faire tout ça? Si tu n'as pas peur, si tu ne te sens pas frustré, vous allez voir le creuseur de sable, la force de charger le sable dans les camions. Oui, le 237 sera représenté le 28. Donc, what and si. Vous entendez dans les entendements? Oui. J'invite tout le peuple de la République centrafricaine. Donc, si tu es résident de la RCA,
ne rate pas ce jeu concours de Africa Tilor. Africa Tilor, vous la connaissez très bien, c'est la meilleure bière consommée en RCA qui lance un jeu concours pour ses consommateurs. Donc si tu es fan ou si tu es consommateur de Africa Tilor, va simplement sur Facebook, tu cherches la page Africa Tilor. Tu laisses deux commentaires. Premièrement, tu t'abonnes. Deuxièmement, tu laisses un commentaire. Dans ce commentaire, tu expliques ce qui te motive à consommer Africa Tilor. Et l'autre commentaire, c'est celui qui te motive à participer à ce jeu concours. Rassurez-vous, les gagnants vont bénéficier de 3 palettes de cette merveilleuse bière Africa Tilor. C'est la magie. Ne ratez pas cette occasion, les amis. Ok. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.